Mesdames et messieurs, nous depuis Western Beach, nous dans le cadre du championnat de l'île dans les mêmes, côté nous suivons pour même un plusieurs matchs. Et surtout nous dans la troisième journée, nous avons le privilège pour nous recevoir sur Saint-Lunion TV et Radio Elite International, le PDG de la radio Max FM dans la coupe pays d'Haïti. Max, nous vous donnons de vous sur Saint-Lunion TV. Et mon cher compliment. Moi je suis vous, moi ouais, tout ça que la télévision l'a fait. Toute retransmission qu'on a fait, ce n'est pas des bagages qui ont un rapport réellement avec Haïti dans la façon qu'on fait les transmissions. Compliment, je ne sais pas vraiment si vous avez réalisé toutes les belles bagages. Mon cher, son jeune garçon qui travaille en pile et je me félicite en pile pour le travail que moi et la télévision Saint-Dunor l'a fait. Et je salue tout le monde Saint-Dunor. Et sous le cas ça, je profite de saluer auditeurs Radio Max FM, téléspectateurs, télévision, télésignal Saint-Marc. Bon, et son honneur aujourd'hui pour moi tout pour sur chaîne télévision ça pour nous faire un petit peu. Oui. On t'y parle aujourd'hui. Oui, Max, nous connaissons que pour manœuvrer une radio dans le pays d'Haïti lui-même, et oui, si nous n'avons pas une radio, nous avons télévision, mais quand même, qu'est-ce que c'est radio, qu'est-ce que c'est télévision, il faut qu'on ait énergie. Et comment faire? Mon cher, comment faire? Il y a un problème de. Vous connaissez mes côtés radio à venir, parce que nous avons un propre local, nous, radio à. C'est un moteur 20 kW que nous avons, ok? Donc, vous avez une télévision. Vous avez une télévision, vous avez énergie, vous avez plus d'énergie que sur une radio. Vous comprenez? C'est vrai que nous avons une énergie solaire, là, mais nous avons passé la télévision, nous sommes obligés quand même de passer Delcoa. Delcoa, c'est green gallon gaz, presque 72 $. Chaque green gallon gaz, presque 72 $. Et actuellement, là, green gallon ça, green gallon gaz diesel, là, actuellement, il presque 300 $ dans l'arrière. Green gallon diesel, vous comprenez ce que ça veut dire? Donc pour nous, Kimbel, il est extrêmement difficile. On connaît tout avec les réseaux sociaux, mais les médias traditionnels, c'est un petit genre baissé. Ce n'est pas que les médias ont baissé, non? Mais l'économie a baissé, non? Mais nous ne pouvons pas jouer assez de publicité. Publicité pour nous, nous avons connu sur Facebook, il y a passé. Non, mais non, avec Radio Télévision, il y a vraiment pour un coup parce que. Il y a pour un coup sérieusement. Parce que maintenant, avec la technologie, là, avec un smartphone. Côté message là passé. Tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste. Métier a vu une bague de sens encore, franchement. Parce que depuis que j'ai un téléphone, j'ai un mail, les journalistes. T'as l'entendu de l'algue, t'as commencé à sortir à parler de Aristide là, de Moïse Charles de Yuri la tortue. Il n'y a pas besoin qu'on ait. Et puis il y a une audience. Il n'y a pas besoin qu'on ait. Puis t'as commencé à voyer monter bagaille. Non, ça, je pense qu'il faut au moins le corriger. Je ne peux pas corriger, mais maintenant, en termes pour Network, pourquoi il n'y a aucune loi? Il faut commencer, comme si nous avons dit, sanctionner les gens qui ont fait diffamation sur les gens. Vous faites diffamation sur les gens, par exemple, sur Jean Madeus, vous dites, sur Jean Madeus, sur Jean-Max Wilfried, mais qui ça vous fait immédiatement, vous payez, vous allez en prison. Et puis, comme ça, vous avez moins de journalistes qui créent. Mais pour ça, vous avez fait, il y a un pile de bagages qui pour corriger dans le pays. Bon, pays d'Haïti, nous, on ne peut pas les bagages au pays d'Haïti. Ok. Bon, Max, en quelque sorte, nous connaissons que ce n'est pas facile pour manœuvrer une station de radio dans le pays d'Haïti lui-même. Mais nous vraiment féliciter vous. Et puis donc, c'est vous qui bosse pas tout. Avec Jean-Max. Bon, pratiquement, on connaît à l'aide de capacité que j'ai pour me faire belle publicité. Radio, il n'est pas mort. Parce que quand l'homme fait publicité, c'est mon neuf, il pas mort. Mais s'il ne veut pas mort, c'est pareil parce qu'il PM déjà. Je ne vais pas le forcer à faire une publicité. Si il veut faire radio X, il veut faire Y, ça c'est lui. Mais moi-même, quand je fais une publicité, je vais toujours m'en. Mais c'est comme ça que je fais une publicité. Mais sinon, je vais faire une publicité. C'est bon pour nous capables de conclure, Max. Et nous connaissons toujours Guéon. Puis c'est. Nous le championnat élite là, les mêmes, mais c'est la grande famille. Le mot pour nous capables de conclure pour le moment. Bon, pas vraiment en conclusion, non, puisque nous sommes toujours là. Moi, je suis fier de ce qu'a fait là, un haïtien, un jeune haïtien, c'est Jean Altidor qui organise un gros championnat comme ça, dans West Palm Beach. Arias, ça c'est 226 Cypress Lane, Palm Springs, Florida. Je pense que quand pile monde qui remet ce qu'a fait là, moi-même, je remets. Et je félicite l'équipe là, tout staff là, toute équipe là qui travaille d'arrache-pied pour rendre chaque journée possible, y compris vous-même tout. C'est Télévision Saint-Louis du Nord. Qui rend ça qu'a fait là possible, Radio Elite International avec Championnat Elite. Donc, moi, je suis fier. Je suis fier de vous tout en tant que haïtien qui travaille dans le niveau ça.
parce que l'équipement n'est pas vendu à l'argent. Il vend extrêmement cher. Vous avez gagné. 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 Vous avez g